je travaille 7 jours sur 7. Je rentre ici le matin, je sors d'ici le soir. Sérieux, là, le bowling? Ouais, c'est du très sérieux. Le monde, il pense que c'est facile jouer au bowling, mais c'est pas facile. Excuse-moi, on est arrivé ici en 99. On a acheté en 2008. On était deux couples. Okay. Et l'année d'après, en 2010, il y en a un qui est parti, puis on est resté, moi puis Serge. Pour être bon joueur, combien de fois? Je dirais au moins 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine, c'est bon pour qu'il garde sa moyenne. Quand que tu joues dans une ligne, que tu joues une fois par semaine, tu joues, mettons, sur la 11 et 12. Comme moi, ce soir, je joue sur la 9 et 10, mais je joue 3 parties, là. Mais la prochaine fois que je vais revenir jouer le mardi, ça sera pas sur 9 et 10. Tandis que je vais jouer sur un autre allée. Tandis que si tu joues 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, il y a une journée, tu vas jouer sur 9 et 10. L'autre journée, tu vas jouer sur 7 et 8. L'autre journée, tu peux jouer sur 1 et 2. Fait que tu apprends à connaître les allées. Je vais te donner 2,5 parce que j'ai pris ton... Okay. Tenté avec. En 69, je jouais. Si. Ouais. Quand je suis mariée, là, on jouait dans une ligue. Enceinte. Bien sûr, pourquoi pas? Ah, t'es si maigré, toi. Ça, là-bas, ils t'appellent. Ils sont tout le temps de même. C'est mon deuxième chez nous. On est bien, on rentre ici, on est en famille. Tout le monde, le jour, le soir, c'est tout du monde, puis on se connaît, puis on est en famille quand on vient ici. On se taquine. Des fois, il y a des petits accrochages, mais ça se replace. Ça fait 27 ans. Ça fait 27 ans qu'elle est ici, qu'elle travaille dans le salon de quilles. Pour moi, ça fait 5 ans. Elle travaille quasiment tous les jours de la semaine. Et quand elle ne travaille pas, Mimi, elle est ici. À quel âge? Elle a 67 ans. Merci beaucoup, Nathalie. Bien, merci à toi. Pensez-vous garder ça bien longtemps, mais vous, c'est ça, là? Tant aussi longtemps que je vais être capable. C'est bon. On va vous souhaiter que ça dure bien longtemps. Bien, merci.